Assalamu bonjour, bienvenue à bord. Well, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome aboard. We are going for a little excursion in this for about a half an hour. Sommes donc partis pour une petite excursion d'environ une demi-heure. Et nous commençons notre excursion avec qu'on fasse le beffroi. Beffroi en hauteur de 83 mètres, carillon de 47 cloches qui ont un poids total de 27 tonnes. On peut aussi visiter la tour, mais il faut monter 366 marches. Et peut-être un petit détail, donc il n'y a pas d'ascenseur. Donc ça vous coûtera aussi 8 euros pour vous fatiguer. We start our tour in front of Belfry. Belfry is 83, 6 steps. Perhaps one little detail, but there is no elevator. And it would cost you also 8 euros to get tired. Le pont en face de nous, c'est le pont de l'Hydromel. Et ça, c'est le pont le plus ancien de notre ville. Il date du 13e siècle. Next bridge is there. La troisième maison derrière le pont suivant et à notre droite, ça c'est la maison Dieu, le Pélican. Alors là, vous allez voir le blason du Pélican, juste au-dessus de la porte d'entrée. Maison date de l'année 1600 maintenant, encore toujours des maisonnettes pour les personnes âgées. The third house on our side, the emblem of the Pelican, just above the entrance door. Built in 1634, and these are now still residences for the senior citizens. Où est la tour de l'église Sainte-Anne, et ça c'est à l'intérieur, une des plus belles églises de notre ville. Le centre-ville ici de Bruges compte 21 églises pour une population de 20 000. In front you can see the spire of the St. Anne's Church, where this is inside one of the nicest churches in town. In the city of Bruges, the old city has 21 churches. This for a population of 20,000.
canal de réellement suivant et à votre droite, c'est le canal de Ostende. On se projette à peine à 12 km d'ici. Nous sommes donc très près de la mer du Nord. The canal on the right-hand side is a connecting canal to Damme, Zeebrugge and also Ostende. So Zeebrugge is only 12 kilometers from here. We are very near the North Sea. Bâtiment en face avec la tourelle et l'ancienne loge des bourgeois construite au 15e siècle des marchands libres. Maintenant, c'est l'archive de l'État. Là se trouve aussi la statue de Jan van Eyck, le peintre flamand. So in front, you will see the statue of Jan van Eyck. It is the Flemish painter. This building with the turret is the old Burgers Lodge, built in the 15th century. It used to be the meeting place of the free merchants. They keep now the records, the archives of the state over there. And here we are sailing in the medieval harbor of our city. Ça se trouve dans le port médiéval de notre ville. So don't panic, huh? It's not a Titanic. Le bâtiment blanc développant à votre gauche est un ancien consulat britannique et ça c'est maintenant une école primaire. Right building on the left here is a former British consulate and this is now used as a school, a primary school. Les pignons à redans, donc les façades en forme d'escalier. La pays, ce sont le nord de la France, les Flandres, c'est les Pays-Bas. Left, we have some nice houses and our builds in a typical style for our countries, which is with those stepped gables. The Low Countries are the north of France, Flanders, and the Netherlands. La ville de Bruges compte 16 km de canaux. Notre excursion, ça c'est à peu près 7 km. Il y a aussi 43 ponts. La profondeur des canaux, ça varie entre 1 mètre et 3 mètres. L'eau qui coule ici, c'est de l'eau douce. C'est très important. L'eau contient de nouveau du poisson. Bruges, we have 16 km canals. Our excursion is about 7 km. And there are 43 bridges. La tour de la cathédrale Saint-Sauveur au fond. A few moments we shall have in front a nice view and it is with the oldest bridge, the Palace of Justice. Cathedral in the background.
Plus loin, à votre gauche, vous voyez le marché aux poissons. Street en 1821. Donc on a encore ici 5 jours par semaine un petit marché du mardi matin au samedi matin. Left hand side is the fish market, built in 1821. And we have here still 5 days a week a small fish market from Tuesday morning till Saturday morning. Effectivement, votre gauche est l'ancienne corporation des tanneurs et datant de 1630. This building on the left hand side is the old tannery or leather corporation from 1630. À l'intérieur du bâtiment, à notre droite, il y a là on a le choix entre 600 différentes sortes de bières belges. Inside the building on the right, you have a choice between about 600 different kinds of Belgian beers. Et en face, vous voyez l'église Notre-Dame, 122 mètres d'hauteur. C'est aussi la tour la plus haute ici au Plat-Pays, donc entièrement construite en briques. L'intérieur, on a les travaux de restauration de l'église vont durer 3 ans. In France, Our Lady Church is 122 meters high, and it is also the highest brick tower in our Low Countries. Inside are the mausoleums of Charles the Bald and Mary of Burgundy. So the white marble statue by Michelangelo is the Madonna with the Child. Le bâtiment derrière ce pont à votre droite, c'est l'ancien palais des seigneurs de Gorgeuse, Street, au 15e siècle, et ça c'est maintenant musée d'antiquité. Still on the right. Et le pot que va passer maintenant est assez bas. Messieurs, dames, restez donc assis, s'il vous plaît. Ici, notre guillotine brugeoise. Faites donc attention. The next bridge, well, this is a low one. Please, ladies and gentlemen, so stay seated, as this is our Bruges guillotine, so be careful. Devant suivant, vous allez voir l'entrée du Béguinage. Le Béguinage fut fondé en 12 sœurs bénédictines. The right hand side of the next bridge, you can see the entrance of the Béguinage. The Béguinage has been founded in 1245. Béguinage is still a convent now, this is still an nunnery. And now for religious, for Benedictine sisters. En face, voici les écluses et la maison de l'éclusier.
L'autre côté de cette maison est le lac d'amour. Pour votre droite, vous pouvez voir le cormoran. Donc la preuve que j'ai pas menti, que j'avais dit qu'il y a du poisson dans l'eau. On the right you can see the cormoran, so I didn't lie if I said that we had fish in the water. Le bâtiment derrière ce pont à votre droite, c'est la brasserie, si musée. Deux bières locales qui s'appelle Bruxzot, en français le Fou de Bruges, et Strava Hendrik, Henri Lefort. On the right here, this is the home brewery and the museum of our two local beers. The name of those beers is Bruxzot, in English, Fool of Bruges, and Strava Hendrik, Strong Henry. Encore une fois, attention, s'il vous plaît. One second, be careful, please. Aussi à Bruges, 5 différents embarcadères et chaque embarcadère a le maximum de 4 bateaux. Of 4 boats, private boats are not allowed on our canals. With those low bridges, it is also impossible to have covered boats on our canals. Dans un bateau, ça donne place à peu près 32-33 adultes. Ou 50 Japonais. So we have a room in one boat for about 32-33 adults or 50 Japanese. Du palais en face et environ 4 mètres au-dessus de la partie gauche du pont. Oui, on peut s'y voir la plus petite fenêtre de notre ville et construite en style gothique. Just the wall of the palace here, just ahead of us, at 4 meters above the bridge, so there you can see the tiniest, the smallest window in town. It's built in a Gothic style. It was a spy window. C'était une fenêtre d'espion. Un peu plus loin et à votre droite, l'entrée du musée de Groningen. Et ça, c'est un musée avec les peintures des maîtres flamands, les primitifs flamands. Here you can see there on the right is the entrance of the Groningen Museum. Well, this is a museum with paintings by the Flemish masters.
It is the Seigold Flemish Primitives. Mesdames, sommes ici donc presque à la fin de notre excursion. J'espère aussi que vous en êtes satisfaites. Si les commentaires donnés, alors je vous remercie. Je vous souhaite encore très bonne et agréable à Francky. Encore à Bruges, peut-être un petit tour. Voir donc petite gratification pour les commentaires donnés. Ça fait toujours plaisir, toujours agréable de se voir. Et je vous remercie donc aussi de votre gentillesse. Ladies and gentlemen, here we are almost at the end of our excursion. I hope that you're satisfied about it with the given commentary as well. So as for the people sitting on the right-hand side of the boat, ladies and gentlemen, mind your hands and arms, please. Les gens qui sont assis à droite du bateau, mesdames, faites aussi attention avec les mains et les bras, s'il vous plaît. Merci bien. Thank you very much.